D'après l'énoncé, on a un noyau de beryllium-8 qui se désintègre en un autre noyau et un noyau d'hélium-4. À l'aide des lois de conservation, on a 8 plus A qui est égal à 4 et 4 qui est égal à Z plus 2. Le noyau produit contient donc Z qui est égal à 4 moins 2, ce qui donne 2 protons, et A qui est égal à 8 moins 4, ce qui donne 4 nucléons. Le noyau produit est donc également un noyau d'hélium 4, puisque Z égale 2 et A égale 4. Le Z égale 2 indique que c'est bien de l'hélium. L'équation de la transformation est donc un noyau de beryllium 8 qui se désintègre en un noyau d'hélium 4 et en un deuxième noyau d'hélium 4.